Bon, la prédiction. La prédiction. Dans les bets de Tears of the Kingdom, il faut toujours voter non à chaque fois. Ok. Sympa. Ah, il y a 77% de non. Oh, la violence. Ok, d'accord. Ok. Effectivement. Effectivement. C'est sans appel. Plus des trois quarts des points de chaîne ont été mis sur le non. Et je pense que vous avez raison, parce que je sais même pas ce qui va se passer là. Donc, on est parti. Let's go. Oh. Merci Maki pour le 30e mois, merci beaucoup. Allez, ponce, rends-moi riche. Bah là, ça a l'air chaud, hein. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Enfin. Ah oui, d'accord! Mais quoi? Allez, 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 allez! Mais quoi? Pourquoi tu... Allez! Je sprint? Pour la fin? Non, non, non. Non! Je vais mourir. Non, 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 non. Bonjour Emma, je te remercie. La caisse a voté oui, c'est un scandale. Non, c'est un scandale. Non, elle a vraiment voté non. Elle a vraiment voté... Oh, je suis abattu. Non. Pourquoi t'as sprint? Parce qu'en termes de temps, il me restait pas beaucoup. Et en plus de ça, même le sprint, je sais pas s'il aurait changé grand-chose. Parce que quoi qu'il arrive, mon chargement, il est parti à droite de fou. Je suis abattu. Je suis abattu. Tout n'est pas qu'une question de vitesse. Oui, non, mais d'accord, mais j'étais à 54 secondes, monsieur. Je relance une prédiction. D'accord. Ne plus jamais croire en toi. Bah, sans sprinter, ça passait. Bah, excusez-moi, j'ai panique. Première fois que je le fais, j'avais pas de repère. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, je suis désolé. C'est terrible. En vrai, ça a bien commencé. En fait, j'ai cru que j'allais trop lentement. J'ai cru que j'allais trop lentement, donc... Je suis désolé, hein. Désolé. J'ai plus que 12 pétales. Oh bah joue-les! Joue-moi ces 12 pétales! Ok, là c'est beaucoup plus partagé, hein, entre le oui et le... Là, on est clairement sur quelque chose de plus partagé, effectivement. Petit peu de café, hein. All-in et 12 pétales. Bah, go all-in tes 12 pétales, vraiment. Putain, il est déjà 15h20, quoi. Il est déjà 15h20. Vous savez que j'hésite encore, hein. J'hésite encore à... Est-ce que je vais vite voir Ganon? Enfin, vite, entre gros guillemets, mais est-ce que je continue l'histoire principale quand même assez rapidement pour pouvoir chill à l'infini ensuite en slow run? Ou est-ce que je garde vraiment un peu le combat Ganon pour la fin? Franchement, je me tâte de fou, je sais pas encore. Je sais vraiment pas. 15h20, mais t'as fait la moitié de ton planning, la bouillabaisse. C'est vrai que j'ai fait la bouillabaisse, c'est vrai, c'est vrai. Continuer et chill, c'est mieux. Ouais, mais le truc, c'est que quand t'as fait tout le jeu, toute l'histoire, le chill est beaucoup mieux, je trouve. Parce qu'en fait, tu ne peux pas culpabiliser de pas avancer, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu t'en branles, genre, tu peux faire une session de 7 heures où... Bon, après, je m'en fous déjà, mais... mais bon. Non, j'ai pas toutes les larmes, j'ai pas toutes les larmes. C'est bien de garder le mystère de la fin. Bah, un peu, c'est vrai, mais bon... Si tu veux un petit peu de difficulté, tu peux aller à Ganon maintenant. Sinon ça va être trop simple, zéro challenge. Je pense qu'il est déjà trop simple, hein, à mon avis. En vrai. J'ai déjà beaucoup de cœur, endurance max, des bonnes armes. Je pense que là déjà, il est simple, en vrai. Je me trompe peut-être, mais bon. En général, quand je bats les boss de fin, je touche plus au jeu, alors je fais le max avant. Ouais, normal. Après moi, de toute façon, je vous ai dit, je vais faire le 100%. Dans l'idée. Pour le moment, il est toujours prévu que je fasse le 100%. Donc en vrai, une fois que j'aurai tué Ganon, on continuera de toute façon. En soi. En soi. En soi.
Bon, allez, go. Si tu baganones, les monstres seront plus forts, donc les combats seront un peu plus intéressants. Ça, c'est pas mal, en vrai. Oh, je verrai. Je verrai. C'est parti, messieurs, dames. Tu te trompes un peu, il est dur, quand même. Ok, d'accord, intéressant. Bah, tant mieux, hein. Trop bien, c'est tout ce que je demande, hein. Merci, Léa, pour le 33e mois, merci beaucoup. En vrai, c'est tout ce que je demande, hein. Des combats difficiles, c'est parfait, hein. T'as pas toutes les larmes, mais t'as l'épée. J'ai pas tout suivi. Oui. Oui. En vrai, il y a pas mal de moyens, entre guillemets, d'avoir l'épée. Allez, on est parti. Focus. Putain. Ça a duré 20 secondes, quoi. Tu es une très jolie... Ok. C'est pas grave, je relance. On relance, on relance. Ça joue, ça... Je sais que vous êtes complètement addict, donc allez-y, allez-y. Merci à Tom Dux. Merci pour le 6e mois de prêt. Merci beaucoup. Je suis désolé. Il troll, là. Ouais, ouais, là, je suis en full trolling, là. Je suis en full trolling, là. C'est un prank qu'après, je vais mettre sur TikTok, en gros. Pour une vidéo humoristique, ouais. Exactement. Tout à fait. Exactement. Allez. 20 balles, d'accord. En vrai, t'as fait moins qu'une minute, la team 1 a gagné, non? Ah, je suis pas arrivé, quoi. J'ai fait moins d'une minute, mais sans arriver, quoi. C'est un peu dommage. Ah ouais, la prédit, la confiance est morte, quoi. Je vais te démarrer, Pompon. Je croyais trop en toi. Merci, Agustis. Non, mais tranquille. Terminez cette petite prêde. Voilà, faites-moi cette prêde, ok. Tranquille. Je me fais vieille. Si peu, Epsia, je t'en remercie. J'espère que ça va. Donc il n'y a plus personne qui croit en moi. Je vais tellement faire taire les Rajix. Merci, oh my god. Merci beaucoup pour le 35e mois, pardon. Merci beaucoup. Je sais que tu peux le faire, Pompon. Par contre, je sais pas après combien d'essais. Je crois en toi. Franchement, je m'en veux, hein. Parce qu'on est d'accord qu'on était quasiment sur un one-shot. Et le dernier obstacle, il me fait perdre la marchandise. Je suis vraiment un peu abattu, hein, vraiment. Merci, Roucre. All-in sur Wii pour fêter ça. Merci pour l'année, Roucre. Merci beaucoup. Bon, bah, c'est parti, hein. Vous pouvez encore prédire, là. Il vous reste 10 secondes à peine. Je lance la prédiction. Je lance la game. C'est parti, messieurs, dames. Dans une, dans deux... Dans 3. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Y'a aucune douceur, y'a aucune douceur. Reviens, reviens, reviens. C'est en train de partir en couille. Ok, je suis en train de me reprendre là. Non, 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 non. C'est bon. Doucement. Reviens. J'y suis. Faut aller où? Ah, c'est là-bas? Oh putain, je m'aide pas là. Non, mais putain, mais j'ai pas vu, je croyais que c'était fini. Mais donc pourquoi vous m'avez dit... Attendez, pause. Pourquoi vous m'avez dit qu'avec le sprint, sans le sprint, ça passait tout à l'heure? C'est entièrement fou, j'étais là à 50 secondes et genre il me restait encore tout ça à faire. Donc non, tout à l'heure en fait si j'avais pas sprinté, de toute façon j'aurais jamais win. Genre en moins d'une minute, c'était jamais rentré genre. Jamais. Jamais. Je réponds non. Jamais en fait. T'étais à 1 minute 30, mais c'est 1 minute qu'il faut faire. Merci Ptiche, merci beaucoup pour ces 4 ans, vive la Triforce. Merci à Hugo Disco aussi pour le 23e mois de Prime.
C'est super gentil de claquer votre prime et de vous abonner alors que bon, bah, je vous offre un spectacle assez affligeant. C'est parti, à nouveau la prédiction, messieurs, dames. Afin de vous rassurer, je vous rappelle que les produits de la boutique sont livrés par des professionnels et non pas par Ponce. Putain, c'est grave quand même. Non, mais je suis désolé. En fait, je sais que c'est une excuse bidon, mais c'est une excuse. C'est ce qui s'est passé dans mon cerveau. Vous savez, j'ai un cerveau qui est... Bon, on fait comme on peut. Mais grosso modo, le fait que vous m'ayez dit « t'as pas besoin de sprinter tout à l'heure », je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que la porte là que j'ai passée à la fin, c'était la dernière. Je me suis mis ça en tête. Donc du coup, là, j'étais en mode YOLO, tout droit, let's go, ça passe. Dommage. Ah. Les gens sont trop à cheval sur ta performance, ils en font des caisses. J'aime bien. Il y a écrit le nombre en plus. Mais tu crois vraiment que je regarde ça alors que j'ai une cargaison monstrueuse dans le cul de mon cheval? Tu t'en doutes bien, j'ai pas le time. J'ai pas le time que de regarder le chiffre de la porte. Moi, je suis en livraison pure. Bien sûr. Allez, il vous reste 30 secondes. C'est parti. Est-ce que tout le monde est bouillant ici? On va se concentrer. On va y aller dans une. On va y aller dans deux. On va y aller dans trois. On va y aller après un petit croc dans cette belle Vita noisette chocolat. Ok. Ça part de là. Ah. ASMR. ASMR croque. C'est parti. Doux. Doux. Bah. Mais doux, mais cale pas comme ça, mais doux, tu. Hey. Oh. C'est non. Tu trolls. Non, mais ça, c'est trop votre truc préféré. Quand quelqu'un il arrive pas à faire un truc ou quand il fait pas le bon truc, vous dites il troll. C'est pas ça. C'est bien une minute 30 ponce. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Ah. Moi aussi j'ai ragé sur ce mini-jeu. Ah ouais, mais tu trolls. C'est parti. On reprend. Le canasson va vite. En fait, j'aurais pas dû prendre un canasson vitesse, tu vois. C'est ça le truc. J'ai lancé une prédit, ouais. Ok, ça repart. Juste focus. Focus. Tu n'es clairement pas maître de ton véhicule, moins 3. Ok, juste, voilà. Juste focus, tranquille. Ok. Chill un peu. Voilà. Ouais. Ok. Pitié, je crois en toi. Quand je regarde quand même les résultats, là, ça a pas l'air de croire en moi de fou furieux non plus, quoi. Mais ce qui est normal, ce qui est 100% normal, hein. Attention, c'est pas du tout une critique ou... c'est normal. Merci Vicky, bonne fin de live. Comment ça, fin de live? Merci Vicky pour le 34e mode prime. Pourquoi forcément la fin? Surtout que je vous rappelle que ce soir, 20h, mettre des fleurs avec Chichayou à la maison, je vous rappelle. Et ça, ça va être le bon kiff. 76% de non. Oui, c'est bien ça. C'est bien là. C'est cohérent. En vrai, c'est cohérent. Chiche, mon streamer préf. Mais non, c'est le mien. Ah, c'est parce que tu retournes bosser. Pardon, Vicky. J'avais pas... Ah, c'est une fin de live pour toi. My bad là-dessus. Oui, je ferai une pause entre, évidemment. Faut que j'aille acheter des kiwis pour les manger avec la peau. Allez, c'est parti, on enchaîne.
Et du savon pour l'apéro. Mais non. Le savon, c'est fait. Mais je pense qu'on le fera hein. Une fois par mois, le maître des fleurs mensuel avec invité. Il y aura toujours une dégustation de quelque chose en rapport avec l'invité. Je pense que ça peut être cohérent. Ah, j'avoue, c'est écrit en haut à droite, j'avais pas vu. Parce que c'est bien fait quand même. Ça l'a remis. C'est pas impossible. Je sprint obligatoire. Non. Oh. À 3 secondes. Hein. Ah. 3 de faire le maître des fleurs avec toi pour te faire goûter le nougat de tour. Donc c'est non. Hein. C'est non. Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. C'était mieux, c'était mieux, c'était mieux. Après, même si on a pas réussi, je trouve que quand même le move a été un peu clutchy, stylé. Il était quand même assez clean. Je trouve. Je trouve. Je relance. Je relance. Je fais mon message en avant afin de ne pas culpabiliser de perdre tous mes pétales avant d'avoir pu le faire. Bisous. On s'en débarrasse vite là. Ok. J'ai plus aucun pétale à miser, le compte est à zéro. Après ça, tranquille, tranquille, il y aura d'autres moyens de farmer ce portrait grave. C'est de l'argent virtuel, je vous rappelle. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut se dire, hein, surtout. T'as pas lu tout le message, je pense. Et surtout, n'oubliez pas que. Ouais. Encore. Un message en avant pas terminé, mais c'est une classique. C'est une classique. Classique de fou. De toute façon, j'ai rien à dire en message en avant, 3 petits points. Ah. Bon, bah alors ça va. Pense, c'est quand tu nous fais du Splatoon 3. Je sais pas quand est-ce que je vais en faire, parce que là, il y a pas mal de trucs quand même, pas mal de jeux et tout. Tu vois, la prog, elle est bien fournie. Mais banger, hein, Splatoon 3, attention. Hein. Vrai banger. Donc je sais pas trop quand. Il reste combien de temps à la prédiction? On va pouvoir relancer. Oui. Vas-y. Ah quand même, j'ai eu. Eh hey, quand même. J'ai eu des points relais là-dessus. Ok, c'est parti, messieurs dames, on va relancer. Par contre, c'est pas. C'est l'un des défis les plus compliqués qu'on ait eu, je trouve. Hein. Franchement, il est pas simple celui-ci, je trouve. C'est parti, messieurs, dames. L'avion est pire? Non. Non, l'avion est pas pire. Franchement, c'est pas simple. Je suis indécis, choisissez pour moi. Je devrais aller en cours ou pas? Full flemme, en vrai. Ah, c'est difficile, on n'a pas le contexte. On n'a pas le contexte. C'est difficile à répondre. Ça dépend du cours en lui-même, mais dans l'idée, moi, je te dirais d'y aller, tu vois. Plutôt. Mais bon, j'ai pas le contexte. Un an. Merci Nico. Merci beaucoup pour l'année de Prime. Flemme. Non, non, mais ne soyez pas le petit diablotin derrière son oreille. En fait, c'est. On n'a pas le contexte. On n'a pas le contexte. Il y a peut-être un contexte où le cours faudrait vraiment y aller, tu vois, pour quelques raisons, mais je sais pas. Non, non, mais. T'es complètement débile. Mais en fait, elle tombe d'elle-même quand il y a une...
super. En fait, quand il y a un petit obstacle, elle tourne d'elle-même, mais pas de la meilleure des façons. Donc là, tout à l'heure, j'étais arrivé depuis 5 secondes. Hein. Après, moi, j'avoue que j'avais pour objectif aujourd'hui de faire le labyrinthe, mais le truc, c'est que je savais pas que j'allais croiser quand même cette épreuve. Ça me met mal. Ça me met mal. Avec un chrono pareil, mon record a encore de beaux jours devant lui. Ou par contre, ça m'énerve. Ouf. Ouf. Je relance la prédiction. Je vais le pulvériser. Oh. Je vais le démolir. Je vous dis, c'est hors de question que ça s'arrête là. Cette phrase, elle est ici, là, au travers de la gorge. C'est pas possible. C'est pas possible. 20 balles, je les accepte. Ok. On est accro aux bêtes, continue de perdre pitié. Ah là, team 1 est pas trop d'accord, hein. Team 1 pas trop d'accord. Et c'est vrai que là, on voit en termes de thunes, hein, on est à peine 3 millions sur le nom, alors que tout le monde sait que je vais rater et tout le monde est censé mettre non, donc c'est assez ouf. J'ai très envie de bet, mais j'ai plus aucun pétale. Je crois en toi, mais j'ai tout perdu. Désolé. Je m'obstine sur le oui, c'est terrible, j'ai tout perdu. T'es patient quand même, moi j'arrête au bout d'un moment, pas bon pour mes nerfs. Ah, moi pour le coup, dans les jeux vidéo, j'ai une certaine patience, effectivement. Genre, quand je veux faire un truc, je vais tout faire pour essayer de le faire, quoi. Vraiment, jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui me dise explicitement soit que c'est pas possible, soit finalement arriver à le faire, ouais. J'aime beaucoup. Mais j'aime bien ce truc aussi. Ouais. Parce que dans la vie, non. Peut-être moins dans la vie. Oui, moins dans la vie, oui. Beaucoup moins dans la vie. Bah, en fait, c'est pas la même implication, tu vois. Oui, moins dans la vie, quand même. Même si en vrai, quand même, c'est vrai que si j'ai envie de monter... Ouais, non, en vrai, non. Ah, non. Ouais. J'aimerais pas te croiser célib en boîte. Horrible. Non, mais tu vois... Non, mais dans la vie très différent. Dans les jeux, vous l'avez bien vu, vous m'avez déjà vu, genre, pendant 7 heures, essayer de faire une merde, genre... Mais non, Pamela, ça avait duré 20 heures, genre. Tu vois, ça avait duré, genre, 20 heures. Je veux dire, dans la vie, avec des petites... Je fais jamais ce genre de bail, c'est pas possible. Merci, YopZ. Merci, Yop, pour le 28e mois de prêt. Merci beaucoup. Bon, allez, c'est parti. Focus, let's go. C'est tout droit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête et tout, je vais péter un plomb. Et pourquoi elle freine? Tu sais, je veux ralentir, elle freine. Je vais péter un plomb. C'est mort. C'est de la merde! Mais pourquoi? En fait, je comprends pas pourquoi elle freine. On est d'accord que si je donne un coup vers le bas, elle décélère, pas elle freine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle s'arrête pas net. Well. J'en peux plus. J'avais le même problème, il faut mettre un coup sec.
Ralentis pas, je te jure, je suis obligé. Je suis plus ou moins obligé en fait. Je peux tenter, ok, je vous préviens. Est-ce que je vais faire mieux que une minute? Je vous préviens, je vais faire une run tricky. C'est-à-dire que je vais être pas full vitesse, tranquille, mais je vais aller vite. Voilà, je vous préviens. C'est bon ou pas? Voilà, je vais pas freiner. Je vais. Ah ouais, la prédiction, ouais, ok. Ok. Normal. Ça ne marche pas en coup sec. Mais oui, j'ai l'impression qu'en coup sec, en fait, ça l'a fait freiner direct, tu vois. Pourquoi ne pas prendre un autre cheval? Bah, ce serait cool de partager ça avec Chefflin, tu vois. Cheval en or et tout, pour la première place, ça a son petit flow, tu vois. 100% pas obligé de ralentir, faut juste pas fouetter le cheval dans les moments difficiles. Bah, tu sais qu'une fois qu'il a atteint le galop, je n'y touche plus, hein. Je fais plus rien. Donc, je fais vraiment plus rien du tout, hein. Par contre, c'est une dinguerie, là. 90% de non, ça fait un peu peur, hein. Ok. On va pouvoir reprendre, messieurs, dames. À un moment, la confiance se brise, Ponce. Je sais. Je sais, je sais. Pareil pour moi, je sais. Même moi, je me fais pas confiance à moi-même, c'est te dire. Je believe, c'est quand tu dois clutch que t'es le meilleur. Non, mais abuse pas, la dingue. Ah. C'est parti, messieurs, dames. Let's go. Sans faire tomber ton chargement, il faut bien maîtriser la monture. Oui, oui. Let's go. Tu vois, voilà. Là, je suis au galop. Je vais pas plus vite. Je peux faire des calmés. Voilà. Hop, voilà. 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 Voilà, mais là la caisse elle prend un coup, ok ça va. Là je vais passer plutôt à gauche. Voilà. Pour ensuite là passer attention à la botte de foin là, attention à celle-là, voilà. Voilà. Et là j'y vais en full vitesse à partir de maintenant. Et voilà. Et c'est une dinguerie 48 secondes. Juste, il y avait c'était quoi la cote là? C'était 6,51. Ça va, il y avait 15%. Il y a quelques personnes qui sont quand même. Ok, bah c'est oui, du coup j'ai fait mieux qu'une minute. C'est chaud. Merci pour les GG, merci beaucoup pour les GG. Désolé aux gens qui ont. En fait, non, je suis surtout désolé auprès des gens qui ont voté oui, 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 et qu'on finit par faire vas-y, non, non. Et voilà. Là, c'est pour vous, je suis vraiment désolé. Les gens qui ont toujours voté non, je m'en fous. Et voilà. En gros, c'est un peu ça. Je continue d'y croire, mais quoi? Jure! Et merci beaucoup à Lenzep qui vient d'offrir 10 abonnements. Merci Lenzep, merci beaucoup. Trop gentil. Merci beaucoup. Allez, 2 points relais. Merci Baguette pour ce 6ème mois. J'ai tout perdu sur ces bets, mais au moins il reste mon prime. Merci, c'est gentil. Tu veux tenter de battre ton propre record? Non, non, c'est bon. J'ai fait 48. Déjà, c'est un temps de fou, hein, 48 quand même. Enfin, je suis très fier. Très, très fier de ce 48, hein. Oh non, Pen est là. Je rigole. Moi, j'ai voté full non, sauf au dernier. J'ai pas voté. Ah bah voilà. Très bien. C'est très bien. Salut, partenaire. Toujours sur le coup, si tard dans la nuit? Et même sans elle, tu ne rechignes pas à faire la route pour aller chercher le scoop, ça c'est de l'implication. Bon, cette fois, des témoins affirment avoir entendu la voix de la princesse Zelda près du relais. Dès que j'ai eu vent de cette rumeur, je fais le trajet jusqu'ici, mais il y a quelque chose qui cloche. J'ai fait ma petite enquête, il semblerait qu'à la nuit tombée, on entende une voix sur la plaine d'Arufar du Nord-Ouest. T'es Arme
Hey! Arme. C'est ce que les gens entendent, en tout cas. On dirait une sorte d'incantation, une étrange malédiction. Je sais pas, ça me donne la chair de poule. Bref, tous les voyageurs qui ont entendu la dite voix ont pris peur et ont jeté leur arme avant de prendre la fuite. Mais est-ce bien la voix de Dame Zelda? Et si oui, pourquoi nous lancerait-elle des sorts? Nous n'avons pas le choix, partenaire. Il va falloir y aller par nous-mêmes et faire la lumière sur cette affaire. Alors, c'est très gentil, mais... Oh mais non, faut que j'aille chercher Bye, putain. Enfin, suffisamment de pétales pour te dire que c'est noté et c'est noté, c'est noté. Bisous, Kiri. T'es plutôt du genre peureux, hein. Hein? Ah! Ouais, ah ouais, clairement. Merci Azuna, merci, j'en avais marre de mon pseudo. Donc là, j'ai toujours voté oui pour le bet et je viens de zapper celui où t'as gagné. Exact. Bon. Moi aussi, mais pas autant que toi. Mais quand même un peu peureux. Donc je me disais que cette fois-ci, on pourrait peut-être enquêter ensemble plutôt que chacun de notre côté. Viens me parler quand t'es prêt. Mais pas trop fort ni trop brusquement. Hein. Mais il m'a dit que j'étais peureux, t'as vu le monde que je sauve en permanence? Bon, elle est où, Bye? Elle est où, Bye? Comment je peux... Un sinistre chant. Non, c'est pas cette quête. Ouais, c'est ça que je veux faire. Il ne vous reste plus qu'à accompagner Bye jusqu'à lui de nuit. Bye? Non, elle, c'est... Là-bas, c'est Calzo. Elle s'est réveillée? Ah. Excusez-moi, mais j'ai besoin d'un peu de silence, merci. Allez, on se concentre. Excusez-moi, j'ai besoin d'un petit peu de silence, merci. Allez. Bon, Personne veut que j'avance là, je claque tout mon budget, je repars de zéro, mais c'est juste pour choper ce fabuleux shiny. Ah, vu la réaction du chat, y'a pas eu de shiny, bisous joli rouge bien sûr. Mais vous faites tout stresser ici, l'autre qui dit qu'il y a des voix, elle qui chante en disant laissez-moi me concentrer, l'autre qui veut que je ramène Bye pour voir un arbre illuminé, y a pas d'arbre illuminé et Bye n'existe pas, c'est un personnage imaginaire que tu viens d'inventer. Qu'est-ce que je dois foutre putain? Et y'a Kilton là-bas, Kilton le temps que je le rejoigne, de toute façon il va disparaître, quoique... Merci Yokopok. Merci pour le 23e mois de Prime. Il a dit de lui reparler. Non, l'enquêteur a dit de lui reparler, mais là je veux pas faire l'enquête, je veux choper Bye pour l'amener devant l'arbre pour que l'autre puisse enfin jouer de la flûte devant la fée quoi. Le burn-out, il y a trop de trucs à faire, je suis en burn-out là. Je voulais pas faire un labyrinthe. Si, mais avant le labyrinthe, je voulais passer chez une fée pour améliorer mon stuff. Sauf que le problème, c'est que la fée n'était pas réveillée. Parce que... elle voulait entendre de la flûte. Sauf que le flûtiste, il est à côté d'un arbre. Parce qu'en fait, il veut absolument faire briller un arbre pour Bye. Qui est sa probable future conquête. Si j'ai bien compris. Je comprends pas tout. What a story, hein. On vit vraiment dans une saucisse... Oh, intéressant ça. Super. Allez. De m'asseoir avec Chiche et le maître des fleurs, full session nocturne souterrain en duo? Non. Alors ça, c'est ce soir avec Chiche. Et non, demain non. Demain, c'est Rocket League avec Céline, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Bon. Bonsoir, voyageur. La nuit est agréable, n'est-ce pas? Je peux les sentir d'ici. Dis-moi, voyageur, n'aurais-tu pas quelques cristaux d'énucis sur toi? Je suis prêt à t'échanger mes trésors contre tes cristaux. Allez.
Alors, dans ce cas, je te propose un masque de Linel contre Criston. Allez. Ah, je suis comblé, quel bonheur! Ne faire à faire un petit instant. Un petit. Waouh! Mais je suis complètement foncé, j'attends, je ressens plus rien, ni la douleur, ni la peine. Il me faut un max de cristaux. Tiens. Ok, let's go. Ok, le prochain c'est quoi du coup? Oh, mais ça j'ai déjà eu! Je l'ai pulvérisé le griot. 3 pour 4, 3 matériaux de monstres pour 4 cristaux d'Elusis, vas-y go. Quel poignard, tu me mets tellement bien, je suis complètement fonche-car mon gars. Peut-être qu'il a... Merci. C'est beaucoup. Oh! Oh, what the fuck? Oh, je suis chaud. Contre 5, oh non, j'en ai 4. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi t'expliquer, j'ai la coiffe des esprits. Également un trésor d'une valeur inestimable au même titre que la tunique et les choses des esprits. C'est d'ailleurs la pièce manquante pour réveiller le plein potentiel de la tenue complète. Plus intéressant, je te demande seulement 5 cristaux. J'ai pas assez. Ok. Mais moi, je les ai les autres, attendez, pardon. C'est lesquels? Des esprits, j'ai pas les choses des esprits, moi. Ah si, là. Ah mais oui, c'est cette tenue, oui, exact. Exact, oui, d'accord, ok. D'accord, bah écoute, on espère, hein. Ça arrive fort. Ok, bon bah, du coup, il faudrait trouver une grotte et aller... Non, mais on va pas le faire maintenant. Non mais où est Bail, en fait? Où est Bail, en fait? Il ne vous reste plus qu'à accompagner Bail jusqu'à lui de nuit près de l'arbre qui brille. Oui, mais... En fait, je sais pas qui c'est, Bail. Oh. Ah non, c'est une montgolfière. En fait, c'est ça, le Bail. Bail ! Non, mais il ou elle doit pas être si loin, en vrai. Tu lui as demandé qui c'était? Non, c'est vrai. Attends. On va y aller. Oh, il y a des thunes là. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, mais vous en faites pas, tout va bien. Non, non, c'est pas violent, vous en faites pas, il est adorable. Il est adorable, vous en faites pas. C'est un ami. Non, vous savez que pendant que j'étais en train de faire ça, de viser cette petite bête pour avoir des thunes, j'ai ressenti une vibration. Je vous jure que c'est vrai. Genre... pas comme un tremblement de terre, tu vois. Mais je vous jure, j'ai ressenti une vibration de fou. Non, mais pas, je vous jure, c'est pas une vanne. Pas par rapport au fait de tirer sur un lapin. Je te jure. À quel endroit? Bah, au niveau du sol. Je vous jure que c'est vrai. Au niveau de... Genre le téléphone. Non. Bon, par contre, c'est le téléphone, c'est rigolo. Non, c'est pas le téléphone. Je vous jure que c'est vrai. T'as abusé des élucis. Non, j'ai pas... Non, vraiment pas, mais... Non, je vous jure.
Genre un tremblement de terre. Bah je sais pas, j'ai jamais trop vécu un peu comme peut-être, tu vois, genre imagine t'habites dans le 5ème arrondissement à Paris et tu ressens le métro, tu vois. Sauf qu'il y a pas de métro où je suis. Bizarre, non? Je vous jure. Ça va, bro? Non mais oui. Machine à laver? Non, j'ai pas lancé de machine. Je sais pas. Un camion? Ouais, je sais pas. Le tram de Montpellier. Ah mais je l'aurais déjà. Oh putain. Je sais pas ce que c'est en vrai. Ça, je sais pas. Il y a peut-être. Non mais en vrai, il y a peut-être eu un mini tremblement. Non, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas. La pression spirituelle de Chiche qui est en route vers chez toi. Peut-être, ouais. Ça m'a fait la même une fois. En vrai, c'était une voiture qui s'était plantée dans mon immeuble. Let's go. Je vais peut-être aller check en vrai. Let's go. Peut-être check ça. Bon, ok, attendez, parce que ce n'était pas une vache. Je sais pas de quoi vous parlez. Ah, mais il est là-haut, je suis con. Mais oui. Bon, Fluol, c'est qui bail? Je t'en conjure, explique-moi. Bon, moi, faut que je prépare l'arbre qui brille maintenant. Je compte sur toi pour accompagner Bail jusqu'ici à la nuit tombée, ok? Mais c'est qui Bail? Bon, moi, je prépare l'arbre. Mais c'est la quête la plus dure du jeu, en fait. Où est-il? Ah bah. Allez, Fluol, où t'es passé? J'espère qu'il a pas oublié qu'il devait me montrer l'arbre qui brille. Ah oui, mais il a... Non mais attends. T'as pas... Prépare l'arbre, hein, les... Je sais pas quoi faire. Bon... On va attendre jusqu'au à la nuit, enfin le soir. Merde, j'ai ramassé la louche. Je voulais pas du tout faire ça, c'est nickel. Ok. C'est nickel, là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est parfait. Ok. C'est bail, hein. Bonsoir. Il fait nuit, Fuel n'est toujours pas de retour, je me demande où il est. On cherche ensemble? D'accord, mais où est-ce qu'on va? Fais-moi confiance, bah, fais-moi confiance. Regarde, viens. Viens, voilà, viens. Ok. Vas-y, nickel. Ok, suis-moi. Nickel. Suis-moi. Nickel. Super. Où est-ce qu'on va? T'inquiète, tu vas voir. Hop. Bye, tu vois ce Korogu? Ramène-le voir son ami. S'il te plaît. Et ramène-moi les deux petites merdes qu'il va te laisser, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas, c'est... Tu veux pas, t'as la... Bon, suis-moi. Je suis caché. Où est-ce qu'on va? Viens. Bon, tu vois, là, on a fait un tour pour rien, bail. Ça s'appelle le slow run. Allez, viens. Merci beaucoup, Tigus. Pour le 19e mois de prime, merci, Tigus. Allez, super. Ça, c'est une barrière à ne jamais dépasser, bail, d'accord? Bien joué le contour, bien joué, très bien joué le contour. Attends, mais il est pas prêt. Oh, bye, regarde le camp de monstres incroyable là, là-bas. Oh, le cheval en or, bye. Viens.
C'est fini mon arbre qui brille. Il me reste plus qu'à faire venir Bye jusqu'ici, tu veux bien t'en charger? Bye, viens, viens. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, waouh! Ouah, c'est trop beau! Encore plus que celui de mon livre d'images! J'ai l'impression d'être dans un rêve! Merci. Merci de m'avoir montré un si bel arbre qui brille. Tu peux pas savoir comme ça me rend heureuse! Heureuse? Elle a dit qu'elle était heureuse. Bah, a dit qu'elle était heureuse! Elle l'a dit! Oh, je suis trop content, j'ai réussi. J'ai réussi à lui donner le sourire. Je veux plus qu'elle le perde. Je veux qu'elle garde son sourire pour toujours. Je vais aller rejoindre la troupe des brides abattues. Je vais devenir célèbre. Et je serai le plus grand joueur de flûte du royaume. Je vais jamais m'arrêter de jouer. Pour que Bye ne perde jamais son sourire. Merci à toi, monsieur le chevalier. Pour tout ce que t'as fait pour moi, tu mérites bien ça, alors tiens. Non mais ça c'est quelque chose que je peux trouver par terre à tout moment en rentrant dans n'importe quelle grotte. T'as vu ce que je viens de faire pour toi? Bon bah quand faut y aller. J'espère qu'on se reverra bientôt et que tu viendras nous écouter jouer. Franchement il est quand même... Le personnage est mignon. Franchement le personnage est très mignon, j'aime beaucoup. Merci Neostone. Merci beaucoup pour le 44e mois Neo. Le personnage est vraiment mignon. Par contre, du coup ça y est, on y est messieurs dames, nous y sommes. Voilà, on retourne là-bas. C'était là, hein? Oui, c'était là. On retourne là-bas, on retrouve le maestro et on y va. Ok. Ouais, regardez, 97 sanctuaires j'ai fait. 97 sanctuaires, c'est pas mal. Ah, le maestro, bien sûr. Yaya. Tiens, mais y'était le connaît, public. Regarde, ou plutôt, écoute. Fluol, notre joueur des Foutraves Ciel, est revenu. Et dire que Fluol vit une belle histoire d'amour. La mienne, alors, c'est pour quand? Bref, avec les sons enjoués de la flûte des Fluol, les brides abattues ont retrouvé leur joie de vivre. Je suis si heureux que je ne peux plus m'arrêter de parler. Mais dis-moi, fidèle public, est-ce que tu es venu ici parce que tu te fais de soucis pour la grande fée? La grande fée? Non, pas du tout. C'est pas pour ça que tu es venu au relais de l'olé de la plaine. Pour voir la grande fée Kaesa. J'avoue, un peu quand même, j'avoue. Malheureusement, la grande fée de la région n'est pas sortie des Sambodjans depuis un moment. Et c'est exactement comme ce qui est arrivé à la grande fée du relais de la forêt, elle doit être terrifiée. Cette grande fée-là, elle aimait écouter Fluol jouer de la flûte. Je me disais que de l'écouter jouer à nouveau lui le montrer moi, mais... La route est bloquée par les pierres qui sont tombées du ciel. J'ai grimpé tant bien que mal jusqu'à mi-chemin pour tenter de la rejoindre. Mais avec tous ces débris, le cheval ne peut pas passer. Et comme je l'ai forcé à gravir un chemin aussi accidenté, les débridés, qui est comme un membre de notre troupe, a été endommagé encore. Les débridés, notre fidèle compagnon, sans lui, nous ne pouvons pas jouer au mieux de nos capacités. Le retour des fleurs est un immense soulagement. Cependant, je me fais beaucoup des soucis pour la grande fée. J'ai peur de rater ma performance. Bon, j'ai compris, je m'occupe de tout. Sérénade, voilà, près du relais, machin, non, non, impossible de faire le trajet à cheval. Bah, viens, on y va à pied, non? Merci, Loan, pour ta demi-année, merci beaucoup.
Ah, tu veux pas venir en speed? Maestro sait battre la mesure, pas vrai? Impossible de rester statique quand il décide d'agiter sa baguette. Je compte bien suivre le mouvement et faire danser le monde entier au son de ma flûte. Si la troupe était au complet, la fête serait réellement au rendez-vous. Ils sont où les autres? Je sais que Coréo a dit qu'il voulait aller au relais du pont de Tabanta en Hébra, au nord-ouest du royaume. Mais bon, est-ce qu'il y est vraiment? Faut savoir. Je continuerai d'y mettre tout mon cœur, même si la troupe est incomplète. Bah oui, mais d'accord, mais Ah bah attends. Nickel. Hop. Là j'ai un bail, là. Salut Pompon et les fleurs, j'ai enfin fini mon concours de médecine. Merci Ponce de m'avoir accompagné pendant mes révisions. Ces deux, voire trois dernières années, les streams ont vraiment été un highlight dans mes journées. Trop gentil. Bah, GG à toi, Nénénuphar. Pendant ce temps, bah moi, j'ai toujours pas fait le labyrinthe de la journée, quoi. Donc, on avance à son rythme. Chacune et chacun, et c'est ça qui est beau aussi, tu vois. Ok. Ok. Allez, bom. Allez, boum. Allez, là. Je vais me casser les couilles. Nickel. Moi, je vais prendre un vol. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais t'es vous à l'aise? Bah, bien sûr, je suis à l'aise. Je suis extrêmement à l'aise. Ah, voilà. Super à l'aise, là. Hop. Allez, la team. Je vous amène. Oula. Hop. C'est quand vous voulez. Je n'arrive pas à me résoudre à abandonner la grande fée. Froid, les délétours parmi nous, ce serait dommage. Je vais vous conduire, bien sûr. Non, oh, quelle chance, je n'osais pas te le demander. Les amis, dépêchons-nous avant que ce généreux jeune homme ne change d'avis. Putain, je m'occupe de tout, hein. Tout est sous contrôle. Nickel. Merci Corvus pour le 26e mois, merci beaucoup. T'as pas fait le labyrinthe, mais what the fuck, j'en étais sûr en partant pour une sieste. Non, j'ai pas fait le labyrinthe, mais en vrai, il s'est passé beaucoup de choses qui nous amènent petit à petit au labyrinthe. Non, vous en faites pas, faites-moi confiance. J'y tombe! Je savais pas qu'il pouvait tomber. Je savais pas du tout qu'il pouvait tomber. Nickel. On a eu chaud et s'en est fallu! Allez, on recommence. Oui. Allez, venez. Viens. Merci, Captain Caillou, pour le 30e mois. Merci beaucoup. Ok. Excusez-moi, pour donner un petit message. Ok, on est parti vers la fée là-bas. À une vitesse folle, hein. Accrochez-vous, messieurs, dames, accrochez-vous. On est parti. Vous pensez que je peux passer là? Nickel là. Ça va derrière? Oh bah ça a l'air d'aller, c'est top. Oh bah super, mais tout le monde qui tient. Ah bah voilà. Oh ça doit secouer un peu, mais regarde. Nous y voilà. Madame la Grande Fée, ce récital est pour vous. Et pour vous seulement.
Attention dans les open space, messieurs, dames. Ça, la grande fée s'est éveillée. Magnifique, elle est si belle. Encore une fois, je te remercie la récompense que j'ai préparée pour toi ici, Rourke, que mon pantalon était sur le point de se déchirer. Et voilà pour toi. C'est ça mal, c'est cadeau. Et voilà, mon pantalon est maintenant hors de danger. Je peux me concentrer pleinement sur la représentation et bouger ma baguette au rythme de la musique. Nous n'avons plus de soucis à nous faire pour Dame Kaisa. Mais toutes les grandes fées ne sont pas encore sorties de la bonjour. Mais alors, nous allons nous mettre en route pour rejoindre les prochaines grandes fées. Merci, public. Oui, il est particulier. Hein. On va pas se mentir. Ce personnage est particulier. Maestro, il est... C'est Maestro. Je sais tout. C'est toi qui as conduit la troupe de musiciens jusqu'à moi, n'est-ce pas? Même à l'intérieur de mon bourgeon, je peux tout voir. Je te remercie. Mais que dirais-tu que je t'accompagne dans ton voyage, mon mignon? Je plaisante. Tu sais que tu es craquant quand tu es perplexe. Ah. Oh, voyons voir. Maintenant, c'est à moi de te remercier. Si tu as les matériaux adéquats... Oh, je peux renforcer tes vêtements, mon mignon. Allez, fais-moi voir ta sacoche. Avec mes pouvoirs actuels, je peux rendre tes vêtements très résistants, mon mignon. J'y vais. Revenons au jeu. Bien sûr. Ok, on va améliorer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On va tout améliorer. Hein. Tout ce qu'on peut améliorer, on améliore, ok? C'est parti. Quel personnage de... 200 balles? Attends, merde, j'ai passé 100 fois exprès alors qu'elle était en train de nous faire un bisou. Ultra gênant. Comment ça, 200 balles? Faut pas déconner. Pantalon ilien, oui, mais c'est 200 balles, mais il sert à rien, genre. Non, ça j'augmente. Personnage me terrifie, putain. Continue, s'il te plaît. Ah, mais oui, j'ai pas assez d'ailes électriques. Waouh. Aile de glace, vas-y, j'augmente ça au moins. 200 balles. Ah, mais oui, c'est pour les 3 étoiles. Oui, oui. Le dev, ils ont craqué quand même quand ils ont fait ça. Le personnage de la fée. Oh, let's me. Ok, l'œil. Oh, qu'est-ce qui se passe, Kaisa, entre nous? C'est chaotique. Le juste au corps Yiga. Désolé hein, pour le son. Il y a eu un auto-tune. Ok, parti un peu en couille, excusez-moi. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu avais pas tort hier quand tu disais que tu faisais du sexe avec des amis au vendeur téléphonique, c'est vrai ça?
Aïe. Session sexe avec la fée, bah c'était, c'est ça, c'est ça. Bah j'augmente tout ce que je peux augmenter, mais j'avoue que il me manque tellement de matériaux. La coiffe du brasier a augmenté, bien sûr. Oh, les bottes des sables. Putain, je... Ah. Ah, oui. Oh oui, c'est vrai. 6 rubis brut, ah ouais, quand même. Un fragment étoile. Ah ouais, on n'y est pas. Hein. Pour faire le 100%, il faut améliorer toutes les tenues. Ça dépend ce que t'appelles 100%. Le 100% de la map, non. En tout cas, sur Breath of the Wild, c'était pas le cas. 100% si toi, tu veux être en accord avec le 100% que toi, tu veux faire, c'est-à-dire tout dans le jeu, oui. Dans l'idée, oui, il faut. Donc, ça dépend, tu vois. Merci à Cringe, qui fête son 2e mois de Prime. Très cohérent avec la situation. Merci à toi, Cringe. Merci beaucoup. Ça, c'est cohérent, ça. Oh, oui. Très, très cohérent, Cringe. J'étais trop deck que ça compte pas dans Breath of the Wild. Attends, non. J'étais trop deck que ça compte dans Breath of the Wild. Bah, alors, au niveau de la map, ça comptait pas, hein. Au niveau de la map, ça changeait rien d'améliorer. Ah oui, t'étais deck que ça compte pas. Oui, oui, ok. Ça sert à quoi d'améliorer à fond les tenues au final? Bah, t'es plus résistant et parfois les tenues améliorées au max, elles vont avoir, tu vas avoir des petits bonus avec des petits trucs assez sympas, tu vois. Par exemple. Merci Emma pour le 18e mois de prime, merci beaucoup. Et c'est ça que je voulais faire du coup. C'est exactement ça que je voulais faire avant... Avant le labyrinthe. Mais juste j'ai une question. Est-ce que dans les... chez les fées, tu peux améliorer n'importe quel truc? Il ne peut pas être renforcé. Tu vois, genre... Ah si, je crois. C'est juste que ça augmente. Si, si, ok. Certains peuvent pas. T'es sûr? C'est pas plutôt en fonction du niveau? Plus t'as des verrouillés de fées, plus potentiellement tu peux... Je sais pas. Kaisa est la plus puissante. Ouais, ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'il peut se faire strike pour contenu érotique à cause des grandes fées? Après tout, les voice lines de Harry en coréen ont été bannes sur YouTube pour cette raison. C'est vrai, ça? C'est une dinguerie, ça. Après, je vais dire sur YouTube, en même temps, il y a déjà 2 vidéos sur 3 non monétisées strike, donc ça changerait pas grand-chose. Mm-hmm. Non, il n'y a pas de plus puissante, ça dépend juste du nombre de grandes fées débloquées. Ouais, je crois que c'est ça. Il me semblait que c'était ça aussi. Après, il y a des tenues non améliorables, bien sûr. Tu dis le mot sexe sur YouTube, t'es démonétisé. Ouais, non, en vrai, c'est un peu vénère. Ouais, c'est un peu vénère. C'est clair. Tes vidéos, ouais, celles sur la chaîne Ponce Replay, sur YouTube, sur la chaîne Ponce Replay, il y a... Ouais, je sais... Je pourrais pas dire la proportion, mais il y a énormément de vidéos pas monétisées ou strike ou quoi, ouais. Bah franchement, ça doit être une... En vrai, de vrai, ça doit être une vidéo sur 2, hein, je pense. À peu près, ça doit être dans ces eaux-là. Hein. C'est assez vénère, en vrai. C'est assez vénère. Nintendo aime pas qu'on monétise les jeux, les vidéos sur leurs jeux. Ouais, alors maintenant, ça va un peu mieux. Mais effectivement, genre encore en 2015, tu pouvais même quasiment pas streamer de Nintendo, ouais. En vrai, pas étonnant. Bien sûr, avec tout le react que je fais sur certaines choses, avec les musiques, certaines musiques que je passe des fois où je savais pas, mais ça se fait strike ou quoi, ouais. C'est un peu ça, ouais. Un peu ça. D'ailleurs, chaîne replay que je vous mets dans le chat, hein. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne replay, si jamais c'est pas déjà fait, il y a absolument tous les replays dessus, bien gérés et tout, c'est parfait. En vrai, c'est parfait. Bon, c'est bon ou pas? Non, ouais, je vais finir par aller sur Kick à cause des faits, t'as raison, là. J'ai plus de thunes, de toute façon. Waouh, la dingue. Oh.
J'ai plus de rubis. Genre zéro. C'est fini. Bien sûr. Ah. Ma petite sœur Mija a dit qu'elle voulait s'installer près d'un relais en Hébra au nord d'ici. À bientôt. Bye. Bon ben voilà. Vous voyez, on a réussi quand même à faire ça aujourd'hui. Et donc du coup maintenant, direction le labyrinthe dont on parlait. Alors juste avant d'aller voir là-bas, je voulais... Il y avait une quête quand même. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit de prendre en photo un truc en Hébra. C'était... ça. C'est la briquette anti-monstre. Ouais, mais c'est pas à côté du labyrinthe. Enfin, c'est dans la même région, mais c'est pas à côté non plus, quoi. Non, go labyrinthe. C'est quoi ? Ça, into on s'envole, into labyrinthe. Non, mais sinon, on va jamais faire le labyrinthe. Il est 16h30 quasiment. Il est quasiment 16h30. Et ce soir, je relance le live vers 19h30, 20h. Vous le savez. Pour le mettre des forts avec Shishayu. Donc, quoi qu'il arrive, je vais pas arrêter trop tard. Donc, je vais quand même aller faire ça. Et merci à Miniknack. Merci pour le 23e mois de prime. Merci beaucoup. Ok. Oh, il dort. Vas-y, je m'envole. Je sais pas à quelle heure je coupe. Oh, magnifique. Je sais pas à quelle heure je coupe, franchement. Je vais voir. Oh, Faker. Merci pour le 12e mois pour l'année de prime. Merci beaucoup. Messieurs, dames, nous nous approchons petit à petit du labyrinthe. Alors, le labyrinthe, j'en avais déjà fait un, c'était celui-ci. Voilà. Et effectivement, le labyrinthe est à la fois en l'air, à la fois au sol, à la fois dans les souterrains, ce qui donne un truc assez sympa en vrai. En tout cas, j'en ai fait qu'un qui était assez cool. Magnifique moment. Attends, mais il est arrêté là. C'est moi qui arrête tout. Oui, puisque t'arrêtes quand tu fais ça, je suis trop con. Merci Aiden Ever, je profite du train de live pour resub. Bah c'est le meilleur moment, merci Aiden Ever pour le 39e mois. Des bisous, merci beaucoup. Attends, mais comment je fais là? Déjà, est-ce que je suis déjà allé là? Sur cette petite île que je vois? Ouais, apparemment, je sais pas. On va essayer d'y aller déjà. On s'en rapproche... Mais attends, mais c'est complètement hors map en fait. Merci à Emilia. Merci beaucoup pour le 18e mois de prime. Merci beaucoup. Le sang. Oula, il va me foncer dessus lui. Dodge. Je suis pas allé là. Ah. Oh attends, la montée a l'air horrible. Après je peux me faire une belle montgolfière ou alors un T-Max de l'espace hein. Littéralement de l'espace. Ah bah voilà, bah parfait ça. Ah. Imagine tu t'appelles Tribal King, tu as une musique qui s'appelle Façon Sexe. Là t'es mort là. Là, t'es mort niveau monétisation. Oh oui. Dans une zone non découverte, c'est parfait. Let's go la croix. Ça c'est de très bon augure la croix, vous le savez. Ah mais attends. Mais on m'a laissé un vaisseau pour aller là-haut. En fait. Non? Genre... Ah mais c'était une première batterie. Non, ça le fait je pense, non. Là.
boulot. Ça pue la merde, non, en termes de... Mais je fais du surplace, en fait. Oh, le con. J'avançais pas. Je prenais de la hauteur. Il me reste quoi? Une batterie, c'est mort. Sanctuaire à proximité, ouais, j'ai cru le voir celui-là. Ah, ça consomme à balle, ouais. Putain, c'est dommage. Oh! What? Ah, gravité! Ok, la gravité est plus faible ici. Bah là, là c'est une infiltration, hein. Ça va être une infiltration et rien d'autre, je pense. Non, je pense que je peux aller là-bas. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas croisé la... Le truc avec de la gravité réduite comme ça, là. Ih. Nice. Bon, bah voilà. On y est, parfait. Mais bah voilà, bah il est juste ici, celui-ci. Le sanctuaire Mogi Sali. Ceux qui savent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je suis censé savoir quoi? Non, c'est pas vrai, c'est un passé. Le saut périlleux. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Oh, marrant. Ok, ok, ok. Au sol, c'est la même map que Breath of the Wild. Non. Non. C'est la même région, etc., mais elle est déstructurée. Maintenant... J'ai pas eu de chance. Ça pue la merde. Attends. Merde, dommage, j'ai pas réussi ce que je voulais faire. Ok. C'était tentable, hein. C'était tentable. Il suffisait de deux jumps, je pense, hein. Deux jumps. J'ai presque envie de la tester comme ça, ouais. J'ai presque envie de la tester comme ça, en vrai de vrai. Quoique, c'est marrant quand même. Et voilà, après vous allez dire que je flex, mais je vous jure que c'est plus. C'est mieux. Allez, go. Merde, 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 merde. Il est où? C'est quoi, je... C'est quoi, on tente un truc? Ok. Hey. Qu'est-ce que... Il est exceptionnel, ce sanctuaire, là. Vrai sanctuaire, hein. Oula.
Est-ce que je recommence pour le faire en bagnole? Après, je suis obligé, je crois, en plus. Fais-le comme tu veux. Ouais, ouais, carrément, mais je me demande si je suis pas obligé, en vrai. Ouais, c'est plus fun en bagnole, je suis d'accord. Il est beaucoup trop marrant en bagnole pour le skip. Ouais, non, je suis d'accord. C'est quoi la différence entre les deux bagnoles? C'est la même chose, je crois. Merci Dark Iceman. Bientôt la salade, merci beaucoup pour le 23e mois. Ah mais on peut pas les défaire! J'étais en mode moi je vais me faire mon véhicule. Ah je suis abattu! Oula. Hein? On passe où? Je sais pas pourquoi je passe là, je sais pas. Ah bah c'est dead du coup. Attends non, je vais casser ça. Ça va le casser là? Aïe. Ok, aïe, ok. Ah y'a un coffre, ok. Attends moi. La chance. Ah mais non, gravité, je suis bête. Bah oui. Vive la gravité. Bah là la gravité est surtout très faible. Vieil arc en bois, ils sont trop beaux ces arcs. Dommage, j'ai pas la place. Mais vous vous rendez compte de la flèche? Non. Let's go. C'est assez agréable, effectivement. Ok, on est reparti. Je suis en télétravail avec ma fille de 3 ans à côté. J'ai ton live à côté de moi. Là, elle est venue me voir. Elle est venue voir ce que je faisais, ça fait 10 minutes qu'elle te regarde et qu'elle commente absolument tout. Il tombe, regarde, il a 2 voitures, il arrive pas à sauter. C'est super mignon, mais par contre pour bosser ça doit être l'enfer. Oui, je vois, comme toi. On voit la même chose. Merci Angie pour le 44e mois. Merci beaucoup Angie. Oh, regarde, il parle de moi là. Trop mignon. Attends mais... Pouah, le bouclier de Sonium Ultime. Maman, il a eu un super bouclier. Ok, let's go. YOLO GANG. Quand on arrive sur la piste. Mais... Ah mais oui, j'ai besoin du bouclier Gerudo. Merde. C'était pour une quête. Non, le cauchemar. Non, non. Le bouclier. Attends, je crois que je peux y retourner. Oui, je peux y retourner. Tranquille. Je vais y retourner, vous en faites pas. En double caisse. Je peux y aller en triple. Avec la caisse là-bas aussi.
sais pas ce qui m'attend là-bas. Oula! Oula, 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 c'est des explosifs! Ok, là on prend le virage. Ah. Ah. Je crois qu'il y a une hauteur là, hein. Ça passera pas. Hein. Le flemmard. Okay. Nickel. Hop. Nickel. Alors, le bouclier, le bouclier, le bouclier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a que du lourd, hein. En vrai, on a que du lourd. Faut aller... Ouais, faut aller voir Noya. Vas-y, je vais enlever celui-là, non? Il est fort, mais bon, j'ai que des trucs forts, quoi. Ou peut-être le bouclier du soleil. Il est très beau, mais... Bouclier du soleil. Oh. Y'a pas deux fois le même. Si, y'en a que j'ai plusieurs fois, mais ils sont forts, quoi. Le coffre qui passe pile poil entre. Le jump, le monstre. Ah, dérapage côté. Virage enclenché. Esquive du véhicule. Absolument pas la vitesse, c'est pour ça qu'il y a des... Hop. On quitte le navire. De l'autre côté, on fallait quitter le... Oh bah ok, hein. Bon, ouais, go, hein. Non, j'ai quand même envie de le faire, en vrai. J'ai envie de le faire. J'ai fait le moins drôle. Ouais, non, j'ai envie de le faire. Juste, il y a combien... Ouais, j'ai tous les coffres. Ok, on va tester ça. Ça va faire très très mal le départ. Hein. Avec une gravité à 0.3, pas là là. J'ai aucune idée de la gravité, mais ça doit être. Oh, le départ. Pareil au décollage. Il va falloir s'accrocher parce que là on va partir quand même de très très loin. Ça va aller très 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 vite. On démarre bout de piste. Un beau tout droit. Royal. Tu vas te retrouver sur la lune de sang. Ce serait stylé en vrai. Pareil au décollage. Tout le monde est chaud sur la piste. Link, c'est quand tu veux. Oh, c'est flopesque de fou. On s'est mis en bout. On s'est mis en bout de course, mais du coup, on n'avait plus l'effet des propulseurs. Oh là là. Oh, la déception, là. Un peu d'aigle. Il fait un peu d'aigle. Il y a un frein moteur sur les roues. Mais oui, littéralement. Littéralement, il y avait... Ouais, c'est si décevant, je suis désolé. Ouais. J'allais dire que t'étais trop loin. Ouais, j'étais trop loin, ouais.
Après, ça fait partie aussi du direct. C'est du direct. C'est... J'étais trop loin, mais heureusement que vous ne me l'avez pas dit. Parce que du coup, ça a été du backseat et j'aime bien découvrir le jeu. Comme... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est des sensations, quoi. Ok. On est pile poil au niveau du labyrinthe. Oh, c'est joli, hein, par contre. Pff, j'ai pas les mots, hein. Qui pénètre le labyrinthe céleste. Au plus profond du labyrinthe terrestre sommeille le cercle de dragons, attendant l'arrivée de celui qui l'éveillera. Il n'a pas compris. Je ne vais pas te répéter. Je viens à peine de te le dire et je commence à en avoir plein le cul des gens complètement toqués du cerveau comme toi. Bon, du coup, c'était pas ça. C'était, il a dit, labyrinthe terrestre. Bah, j'ai envie de dire go, hein. En vrai. J'ai le TP en haut, de toute façon. Attends, j'ai le TP en haut. J'ai le TP en haut. C'est parti. Ah, là, je suis plus en... Non, ok, la gravité est redevenue à 1. Y'a rien sur ces petites îles. Rien du tout. Il y a un sanctuaire juste là, mais... Ah, je voulais aller là. Le retour de cette musique. Okay, bon, les labyrinthes, évidemment, tu les fais d'en haut pour avoir la... La POV, quoi. La petite POV, quoi. Ah! What the fuck, bro, en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? On est dans l'eau. On est dans l'eau, il y a du miasme. What? Non, ok, d'accord, c'est juste nager, mais c'est... Évidemment, hein, je le répète, mais surtout pas de spoil, pas de backseat. Je m'amuse à découvrir. Elle est là, toute la beauté du jeu. Ça m'amène juste tout en haut, je pense. Je redescends quand même pour le moment. Pourquoi il y a du bois? Pourquoi? Comme si on devait faire une construction avec du bois pour l'eau ou quoi, je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi il y a du bois là? Je vais mettre ça au cas où. Un bateau, ouais, un petit radeau, quoi. Je vais mettre ça au cas où, tu vois. Des fruits d'eau. Pas anodin non plus, ces petits fruits d'eau, là. Et encore du bois, là, qui me permet de marcher dessus, ici. Pour le moment, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, de où faut aller, pourquoi, quand, où. Je check un peu partout.
Moi j'ai toujours peur dans ces espaces de rater des potentiels coffres ou quoi. C'est très sus. C'est très très sus. Tellement simple le labyrinthe. Bah, c'est-à-dire qu'on a la minimap, donc si vraiment... Ouais, tu regardes ta minimap et tout, mais... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi c'est... Enfin non, la map dit un peu de la merde en fait. Parce que... Ouais, il y a des passages qui existent, alors que quand tu regardes la map, c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc... En fait, ce qui est assez fou là, c'est que je ne sais même pas où je vais de base, en fait. en fait, je serais bien allé à l'entrée. Passer par là. Il doit y avoir un passage. Il doit y avoir un système. Il doit y avoir un passage pour que j'aille... Genre ouais, là il y a un passage, parfait. Il est noté sur la map en plus. Et là, je retourne à l'entrée. Comme ça, je regarde à quoi ressemble l'entrée. Bah, la Bretagne. Putain, c'est vrai que sur l'entrée du labyrinthe, le premier que j'ai fait, il y avait des pommes de pin. Fruits gel. Ok. Mais attends, mais si là, je saute, par exemple, j'atterris où? Je suis quand même dans le game. Merde, j'aurais jamais dû. Pourquoi j'ai fait ça? Il pleut en plus. Un, deux, trois, quatre, sept, huit. Nickel, non, c'est nickel là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est nickel. Parfait. Impec. Oh, attends. Impec. C'est exactement ce que je voulais faire, exactement là où je... Nickel. Bon. Après, en vrai, de vrai... Ce que je peux faire là, dans l'immédiat, c'est TP. Là. Et sauter, quoi. En vrai. Mais en même temps, il s'arrête bientôt de pleuvoir. Juste... Vas-y, j'ai envie de voir. Qu'est-ce qui se passe si je vais loin, là? Ah, ok, tu peux passer par là. Ok, d'accord. Ok. Aucun. Merci, c'est la tulipe. Merci pour ton 10e mois de Prime. Merci beaucoup. Ok. Ok. J'y retourne. Voilà, fin de la gravité faible. Et je retourne au début, nickel, parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est un gland, hein, même le sol. Il y avait une note à lire, ouais. Le premier labyrinthe que j'ai fait, la note à lire, ça parlait de la pomme de pin qui t'amenait en l'air. Là, on a pris des fruits gels. Premier jour des recherches. Il nous a fallu 2 jours pour atteindre cette île perdue. Les ruines étaient droit devant nous, mais nous sommes épuisés. Le professeur Taureau a tout de même trouvé l'énergie de déchiffrer la gravure Sonao sur la dalle de pierre. Lorsque le cercle de dragon, au plus profond du labyrinthe, sera éveillé, la récompense due te sera donnée. J'ai eu bien du mal à contenir mon excitation devant une telle énigme. Hélas, le professeur était trop fatigué pour continuer les recherches.
et a dû repartir sans attendre. Il me faut donc explorer sans lui les ruines qui se dressent devant moi. À l'aide de glands et fruits d'oiseaux, je vais marquer le chemin que j'emprunte afin de ne pas me perdre. En l'absence du professeur Taureau, j'ai deux fois plus de responsabilités, mais aussi deux fois plus de travail. Vas-y, on va suivre ça, hein, je pense. Merci Lara pour le deuxième mois de prêt, merci beaucoup. Elle s'est pas... Eh, on s'est foutu de notre gueule là, non? Ah, c'est vrai qu'il pleut. Ouais, mais je l'ai déjà 1000 fois, quoi. 1000 fois, celui-là, il va bientôt die. J'en ai pas un peu naze. Ben, la dévotion est pratique, quand même. Peut-être celui-là, il va mourir, de toute façon. Et c'est combien, le... Ah, c'est 24. Bon, en vrai, vous avez fait un peu, hein. Par contre, là, on se fout de ma gueule, hein. Le gland, ici même... D'ailleurs, j'ai une photo du gland. On peut pas prendre en photo le gland, très bien. Ah putain, il y a un gland ici. Ok. Ok. Bon, c'était littéralement l'opposé de là où j'étais il y a 5 mines. Pourquoi tu touches pas les glands? Oh, au cas où, tu vois, si j'en ai besoin pour me repérer sur un truc ou quoi, je préfère les laisser là pour le moment. C'est pas comme si j'en avais vraiment besoin. Mais je les ramasserai, t'inquiète, hein. Moi, je touche à tous les glands. Non, mais il y a des glands, il vaut mieux pas les toucher pour plein de raisons, tu vois. Là, la raison, elle est évidente. Si je les touche, ça va me perdre. Tu peux pas toucher tous les glands que tu croises, c'est dangereux. Revenons au jeu. Mais on parle du jeu, Emdal, tu parles de quoi, toi, bro? Ok, nickel. Bizarre, de quoi tu me parles, bon. Oui, d'accord. Bon, on est quand même en train de suivre potentiellement un chercheur ou une chercheuse qui ne sait de toute façon pas quoi foutre ici. Mais on s'est dit, vas-y, on va suivre quand même. C'est même peut-être un piège. En tout cas, il s'en passe des choses dans ce labyrinthe. Non. Pas un truc. Ok. Merde, j'ai ramassé le gland. Attends. Ok. Ok, l'épreuve était un peu tendax. Oh, il y a une note là. Ça, c'est bon, ça, par contre. Deuxième jour des recherches. J'avance avec précaution. Je dois veiller à ne pas me faire contaminer par les miasmes qui pullulent ici. Il suffit en effet de les toucher pour que le corps se retrouve envahi. Le professeur Taureau a bien fait de pas rester. Dans son état, cette exploration aurait été trop dangereuse. Mais ces miasmes sont bien mystérieux. À propos, je me demande, est-ce que la princesse et son chevalier servant, partis enquêter sur le phénomène au château d'Hyrule, ont été retrouvés? J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Oh, t'inquiète, je suis là, je suis juste derrière, j'arrive fort. Merci Sbati. Merci beaucoup pour le prime, bienvenue. Welcome. Y a pas de gland là. Ah si.
Vas-y, hein, tant qu'à faire, on va sur chien. On va sur chien. Même si le gland est là, on a envie d'aller voir. Hein. Oui, 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 oui. Allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah mais non, j'ai rien. En fait, j'ai pas assez de trucs Sonao pour amalgamer des trucs vraiment de fou, quoi, actuellement. Je suis un peu abattu. Alors là, mon meilleur truc Sonao. Bon. Mais non, c'est même pas Sonao, pardon, c'est du, les Alphos. Non, mais c'est ça, pardon. Voilà. Éventuellement, j'ai ça. Éventuellement, bon, allez. Un espadon à 40, en vrai, à ce stade de la compétition, c'est pas une dingue, hein. Cette petite musique de fond, je peux plus l'entendre. Putain, moi je la kiffe, au contraire. Merci la belette. Merci beaucoup pour le prime et bienvenue. Merci beaucoup. Moi je kiffe trop. Bon après j'imagine que si tu restes 8h30 dans le labyrinthe, on peut plus quoi, mais... Moi pour le moment je suis bien. Mais non. Non. C'est pas vrai. Troisième jour des recherches. J'ai trouvé une relique Sonao, enfin. Je dois retrouver le professeur Taureau plus vite et lui annoncer la nouvelle. Et pour cela, je dois d'abord vaincre ma curiosité qui me retient dans ces ruines. Comment atteindre les niveaux inférieurs que j'aperçois depuis cette pièce? Mais non. Quand même. Quand même. Me dites pas que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est un vrai sanctuaire par contre. Genre un Trackmania-like. Par exemple. À tout hasard. Oh non. Ouais, bah c'est super gentil et heureux, mais ça commence à nous saouler quoi. Let's go. Un truc encore une fois que je vais consommer sans faire exprès en voulant juste le prendre. C'est top. C'est vraiment top. Vous savez combien il y en a exactement de sanctuaires genre comme ça? Les bénédictions de Raoru, il y en a combien? Il doit y en avoir au moins 30? Non? Trop, c'est sûr? Beaucoup trop. J'avoue que c'est vraiment le gros point négatif du jeu, c'est les sanctuaires. Hein. Franchement, la plupart des sanctuaires sont soit nuls, soit il n'y a rien à faire littéralement, genre. Tu vois? Salut Plon, j'en ai utilisé mon Prime ici, mais je pars direct sur tes vidéos YouTube pour pas me faire spoil. J'ai du retard, merci de nous régaler avec tes stream talks. Des bisous. Adorable la belette, merci beaucoup. Bisous. Bonne rediff. Je dirais 40. Ouais, 30-40, ouais, je pense à peu près. Je pense que c'est à peu près 30-40, ça doit être un bail comme ça. Ok, il y a encore un gland là. J'aime pas les sanctus, donc merci Raoru. What? Mais quoi, mais c'est le meilleur bail, les sanctuaires, au contraire. Enfin, les bons sanctuaires. C'est-à-dire que sur les bons sanctuaires, j'avoue que sur Tot, que pour le moment, j'ai dû en croiser 4, quoi. J'abuse un peu, mais ça doit être à peu près ça, tu vois. Mais moi, j'adore justement les sanctuaires. En tout cas, dans Breath of the Wild, c'était une vraie pause. Tu vois, dans le chill et la balade, il y avait vraiment... Je fais un tour complet. C'est pour ça qu'il y avait un gland, au sol. Complètement. Il y a des sanctuaires très sympas à faire. Ouais, il y en a certains qui sont très cool, ouais, bien sûr. Heureusement. Mais je trouve que proportionnellement, il y en avait quand même plus des cools dans Breath of the Wild que dans Totk, je trouve. Alors, en plus de ça, il y a un truc dans Totk où on a quand même le rewind. Et le rewind, qu'est-ce que ça fait? Et ben en fait, tu peux tout gruger avec un rewind, quoi. Vraiment tout. Si vraiment... Après, t'es pas obligé, bien sûr, hein, tu peux te donner la rigueur de pas le faire, mais... Bon, comment faire pour aller en dessous? Bah, en vrai, là, hein, non?
J'imagine. Je vois des trucs un peu rouges, ouais. C'est... Franchement, pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça. Non, mais je suis con, j'ai pas activé ça. J'ai juste lu la note. Toi qui as triomphé du labyrinthe terrestre, je t'accueille en ma qualité de maître des dragons. J'ai ouvert une autre porte pour toi. Rends-toi au sud du labyrinthe céleste. Je rentre au con. Hein. Merci Starxium, merci beaucoup. Ok, nickel. Bon bah du coup... Au sud, bah j'y suis déjà allé. C'est juste un petit épée là, tranquille. Merci Easy Wooz. Merci pour le 35e mois. Easy Wooz. Le plus des sanctuaires, c'est que tout le monde les fait à sa sauce. C'est vrai, mais je sais pas, avoir un vrai moment dans le sanctuaire, c'est cool. Il y a vraiment des sanctuaires, tu rentres et genre littéralement une minute plus tard, t'es sorti. En ayant fait à la régulière, tu vois, c'est un peu triste, quand même. Alors qu'un sanctuaire, je sais pas, c'est censé être un vrai moment. Un vrai truc. Moi, j'aimais bien, hein, d'embre... Toi qui pénètre le labyrinthe céleste, ta sagesse sera mise à l'épreuve. 4 terminaux sont cachés dans ce labyrinthe. Active-les tous. Ok. Ouais, dans Breath of the Wild, il y avait quand même un truc où ça m'est... Perso, ça m'est arrivé de ressortir d'un sanctuaire en me disant « Vas-y, je ferai plus tard, au pire. » Genre notamment les deux sanctuaires qui sont en face, vous savez, sur les deux... Ah ! Je sais plus le nom des monts. Ça, c'était très stylé. Salut, pense-moi, j'ai jamais joué à un Zelda avant cette année, j'ai découvert, terminé et adoré Totsk. Est-ce que tu penses que c'est cool de faire Breath of the Wild après ou est-ce que ce sera nul après Totsk? Oui, c'est les monts Géminés, les deux monts Géminés, exact. Exact, c'est les deux monts Géminés. Je pense pas que ça soit nul de jouer à Breath of the Wild après Totsk, non, je pense pas, en vrai. Parce que le jeu reste quand même excellent. Donc en vrai, fonce. Ils sont excellents, mais pas pour les mêmes choses. Tu auras peut-être moins de kiff dans la découverte de la map que ce qu'on a pu avoir nous à l'époque, mais bon. Je pense que ça reste très bon, quoi. Par contre, petite pause. Ouais, petite pause. Petite pause, effectivement. Oh, mais l'air s'arrête. Genre là, il n'y a pas d'air. Je vois pas d'air qui souffle. Et là, je vois de l'air. Yes, c'est... Oh. Marrant, ça. Je vais aller voir là-bas. Et vers l'autre côté, ok. Tu veux pas t'accrocher? Ah, ok, d'accord. On peut pas. Ah, on peut pas s'accrocher sur ces murs. Je pourrais pas aller tout en haut. Dommage! Enfin, dommage, quoique. Ça permet d'éviter les sbroufs. C'est pas plus mal. C'est stylé, par contre. À quoi ça sert, les... Enfin, à quoi ils ressemblent, pardon, les trucs à activer, là? C'est que ça. Ok, je prends ça, ouais. Ça sera bien visible, ouais, j'imagine.
Batterie haute capacité. Ah, c'est le truc qui coûte 200 50 je crois, pardon, de sonium. Là, la dernière fois, je m'étais ruiné à faire un véhicule de merde. Vraiment, c'était naze. Bon, je teste tout, hein, je sais pas où je vais. Là, il y a que dalle. Là, il y a que dalle. Ça sert à rien de regarder en haut, parce que de toute façon, je ne peux pas aller en haut. Donc, enfin, je sais pas si ça sert à rien. Parce que je pourrais peut-être une fois infiltration, je sais pas. Non, je crois pas. Je sais pas. Merci, Kata, pour ton 19e mois de prime, merci beaucoup. Tu fais jamais la chute contrôlée? Si, mais là, je vois pas trop l'intérêt, j'avoue. Ça dépend. Tu vois, je peux la faire, mais... Bon, je peux aussi juste lâcher, hein. Ouais, quoi que ça fait descendre plus vite, c'est vrai. Et là, je reviens ici, il y a le coffre là, ok. Il y avait le coffre là. C'est quoi l'intérieur de ça, je capte pas trop. Mais c'est si vide! Qu'est-ce que c'est ça juste? Mais y'a que dalle! Je peux pas passer de l'autre côté là-bas d'ailleurs? Non, je peux pas. Je vais mettre là une seconde. Que dalle que tu crois. Bah écoute, j'attends, hein. J'attends. Je sais même pas où ils sont les interrupteurs. On est d'accord, je peux pas les voir. Genre, c'est pas... ça, c'est pas spécialement un truc, je crois pas. Hein. C'est quoi? Pourquoi ça a pas la même gueule que le reste? Ah, avec la quête, ils vont me les donner, bah bien sûr. Je t'ai pas dessus. Pourquoi ils m'ont pas mis dessus d'ailleurs? C'est lequel? Fouille des ruines, non. Oh putain, j'avais complètement oublié ça d'ailleurs. Regardez. J'ai complètement oublié que j'avais la quête activer l'amulette. T'étais dessus, j'ai pas vu. Putain, j'avais oublié ça. 13 stèles, non, c'est pas ça. Fouille des ruines, c'est pas ça. Le collectionneur de monts, c'est pas ça. Akala, c'est pas ça. Un sinistre champ, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Les gourmets n'arrivent pas, c'est pas ça. Personne d'adresse, c'est pas ça. Quête de vérité, c'est pas ça. Attends, mais je capte pas laquelle c'est du coup. Ça, ça a aucun rapport. J'en ai un nombre, putain. Astuce, source, courage, non. Sagesse, non. Ah, mais voilà! Vous avez à nouveau entendu la voix à l'entrée de la ruine géante flottant dans le ciel au-dessus dans la vignée 4 terminaux. Ok. Vas-y, je vais aller voir celle-là. Si je peux, hein. Là, ça va être beaucoup plus simple. Après, faut y arriver, hein. Beaucoup plus simple, regarde. Voilà. Je trouve pas. Merci, Léon. Loen, pardon. Excuse-moi, merci beaucoup. Merci, Loen, pour l'abonnement. Et merci, Krasmut, pour le 38e mois. Merci à vous. Et Nemel Sama aussi, j'avais pas vu, 51 mois. Merci, le Sam, pour le 51e. Attendez, je veux juste me poser. Pose-toi! Ok. Tout est fermé. Ça reprend le plan de celui d'en bas. Ok. Est-ce qu'il faudrait pas que je passe par en dessous? Je sais pas. Hein.
Bon, je regarde que en bas, parce que de toute façon... Genre là, il y a du petit passage, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Une petite montgolfière pour aller tout en haut, c'est pas con, en vrai. J'y ai pensé aussi, mais bon. Après, au bout d'un moment, on va pas jouer, quoi. Genre là, il se passe un truc. Il se passe quelque chose là. Ok. Tu peux escalader. Non, tu peux pas escalader. Tu peux pas escalader. J'ai essayé. Tu peux pas. Enfin, en tout cas, tout à l'heure, je pouvais pas m'accrocher au mur. Ouais, tu vois. Tadam! Oui, puis-je repartir ? Merci. Ok, on va de l'autre côté. Merci beaucoup, Cheshire Child. Merci beaucoup pour le 8e mois. Cheshire Child. J'aurais peut-être pu... Je sais pas. J'aurais peut-être pu passer de l'autre côté. Ou par là, peut-être. Je pense là, si je m'insère ici. Peut-être un... Il y a un bail, il y a un bail, il y a un bail. Non, je peux pas aller... Je peux pas aller... Ah, si. Là, il y a un bail, là. Là. Là, il y a un bail, là. Si on peut escalader les murs de, du bord. Les murs du bord ? Bah regarde, c'est un mur du bord, ça. Oui, ceux-là on peut, ouais. Bah t'as raison, c'est les seuls qu'on peut escalader parce que les autres au milieu on peut pas. Après, en vrai, dommage, non ? Bon, tu me diras, vu qu'il est... En fait, vu que le labyrinthe est vide... Bon, un peu aux F, hein. Escalader ou pas. Mais ouais, ouais, ok, on peut escalader ceux du... Ceux du bord. Non, c'est pas là où je voulais aller, pardon. Je me fais brin. Voilà, on passe de l'autre côté. De l'autre côté ? On traverse le tout ? On peut pas passer là ? Est-ce qu'on peut passer là ? On peut passer là ? Là, je suis de l'autre côté. Après, si tu veux t'amuser, on peut te proposer un moyen sympa. Tu pensais à quoi ? Je suis bloqué là. Attends, je sais ce que je vais faire. Ah, je peux pas ? Si, si. Ah non, c'est pas vrai. Ah non. Oh non. Ok. Non, mais là, il y a pas mal de trucs qui s'offrent à nous. Déjà, premièrement, je me mets en face d'un trou pile. Voilà. Non, vous en faites pas, vous en faites pas. Tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Il n'y a pas de souci. Hop, hop, hop. Vous en faites pas, tac. Je fais... Nickel. Ça a failli être nickel. Super. On est passé de l'autre côté, hein. Ça, la technique fonctionne, hein. C'est quoi, ça ?
Ok. Ok, très bien, très bien, très très bon ça. Ah. Très très bon, c'est pas là du tout, bien wesh. Ah, attends, tu me diras, si on peut s'accrocher là. Ouais, mais non, c'est de la merde. Peut-être c'est de la merde, c'est beaucoup trop, j'aurais peut-être pas assez d'énergie. Non, c'est de la merde. Est-ce que je passerai pas en dessous ici? C'est là. Bah, c'est de l'autre côté du coup. Hein. Merci Sandez. Merci beaucoup pour ce troisième mois de Prime. Pur. Je fais trop de la merde, c'est nickel. Parce que là, il y avait un passage secret. Il faut que je puisse reprendre un peu mon... Ouais. C'est le labyrinthe de Akala. Enfin, je sais pas si c'est... Enfin... De l'île Dédale, mais c'est du coup celui au nord-est, tout au nord-est. Reste en tenue vol, Pompon, tu vas voir, c'est marrant sans le glider. Mais tu sais que je comprends pas, hein, y a toujours plein de gens pour me dire, mais tu utilises pas la tenue vol et tout, mais je comprends pas, je l'ai, genre... Alors, en tout cas, j'ai les deux bouts que j'ai, quoi. Hein. Tu vois, genre, je sais pas quoi te dire de plus. J'ai ça, voilà, je suis bien... Ah, ça hein. Ah, mais c'était ça que vous faites que me dire, tu utilises jamais. Attends, merde. Je suis parti du mauvais côté. Il faut que je puisse... Ouais, ok. C'est ça que vous vouliez dire. Ah oui, oui, ça va beaucoup plus vite, ouais, effectivement. C'est que ça, je l'utilise jamais, pour le coup. J'utilise que cette chute-là. Bon, est-ce que ce serait pas là, d'ailleurs? Après, je peux le... Ouais, je... Ouais, je sais pas. C'est smooth quand même le... J'ai jamais pensé à faire ça. Franchement, j'utilise jamais. Hein. J'utilise jamais. Ah ben voilà. On y est. C'est un peu rapide, ça me casse le crâne, tu vois. Ah non, mais lâche. Allez là. Let's go. Merci Big Seal. Merci pour ton quatrième mois de Prime. Et merci Sandez de m'avoir rappelé que j'ai Prime. Merci beaucoup. Ouais, un peu Gerbotron. Bah un petit peu, ouais, un petit peu, un petit peu. Bon, on passe de l'autre côté du coup. L'angoisse des labyrinthes, c'est ouf que ça vous angoisse. Moi j'aime bien ce genre de moment, ouais. Je retourne au milieu. Pour ressortir vers la droite. Parce que c'est où? C'est là. Possible, possible, possible que... Possible de pouvoir l'atteindre par là, ouais. Possible que non aussi, hein. Je trouve que ça prend la tête surtout. Ah, mais le jeu est globalement plutôt facile en termes d'énigmes et tout, donc j'ai envie de dire c'est quand même cool qu'il y ait des petits trucs, sans pour autant dire que c'est dur parce que ça l'est pas, mais c'est quand même cool que t'aies des trucs où tu te prends un peu plus la tête que d'autres, non? Je sais pas. Au contraire, moi j'aime bien. Non, non, non. Ah si, attends, je peux... Attends. Est-ce que je peux pas aller là? Je peux pas aller là? Ah non, là, je vais passer par là. Ça fait longtemps qu'il est sur le labyrinthe. Sur celui-là, là, le céleste, ça fait... En fait, ça dépend ce que t'appelles être sur le labyrinthe, tu vois. Là, chercher ce que je suis en train de chercher, je sais pas, ça doit faire 20 minutes, je pense. Ce qui est quand même assez ok, quoi. Ça fait 6 heures. La vue. Ok. Et du coup, je peux pas aller tout là-haut avec ça. Hein.
Ah bah si, on a réveillé... Si, si, si. Oh. Oui, non, mais là, on a réveillé vraiment le dragon. Les kiwis poncent. Ouais, 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 bah je termine quand même mon labyrinthe. Quand même. Quand même. Toi qui as traversé le labyrinthe céleste. Aucun obstacle ne t'empêchera plus de rejoindre les profondeurs de la Terre depuis le labyrinthe céleste. Mmh. Prouve que tu possèdes le courage de plonger sous la surface au plus profond de la Terre. La voie finale t'est ouverte. Ok, ça, j'imagine que c'est comme le premier. On se met là. Voilà. Et là, ça part, hein. Ça part, hein. J'ai le courage de fou, hein. Franchement, courage de fou, là. C'est parti. Ok. Courage de fou. Ok, je veux bien avoir du courage, mais on voit que dalle là. Je vais mettre un big comme ça, on est tranquille. Ok. Je vais mettre des petits, hein. Je mets des petits. Ouais, des petits, hein. Là, et c'est, j'ai pris du coup ça. Nickel. Comme ça, je me repère aussi avec. Ok, petite bataille dans l'eau. Ouais, ouais, petite bataille dans l'eau. Ça part, ça part. Je vois pas où il est son cœur. Je le vois. Je capte pas là. Ah, bah. Au cœur. Non mais il est là. Attends un peu, attends un peu. Oh mais bro. J'aime trop. Ah ouais, mon gars. Pas ouf, hein, les attaques charges à une main. Comme d'hab, hein, pas dingus. Photo, je crois que j'ai déjà pris, hein. Ouais, j'ai déjà pris. Tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Vous en faites pas. Une petite brochette de poisson, là, on se met bien. Il est où le... Ah, il est là. Après, je peux te démembrer à 100% hein, s'il le faut. Oh bah. Trop pratique. Ah, c'est bon. Il est où son cœur? Donne-moi ton cœur, ben. Oui. Let's go. Je vais pas refaire un bouclier de zinzin. Est-ce que j'ai un truc pas amalgame? Puff. Très très fort, hein. Très très fort. Très 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 fort.
ça va ouvrir la porte, j'imagine. Toi qui as traversé le labyrinthe des profondeurs de la Terre. Terre. Cette arène a révélé ton adresse. Ah bah non, ma fallait pas leak. Ainsi que ta force physique et mentale, ta valeur est indéniable. Je reconnais ton exploit en tant que maître des dragons. Reçois la récompense que tu mérites. Ah. Cette pièce spectrale a été imprégnée de l'esprit d'un mal scellé depuis des temps ancestraux. Elle est à toi. Allez. L'armure spectrale. Cette armure était portée par un esprit maléfique d'une autre dimension. Il s'agit d'un article précieux, difficile à se procurer. Tiflo là. Hein. Tiflo. Alors j'avais déjà ça hein, pour la discrétion, bien sûr. Mais là, on commence à avoir celle. Non, c'est pas celle-là. Je commence à avoir beaucoup de choses pour la discrétion. Ouais, c'est ça. Rappelle un petit truc, ouais. Très rapidement, quoi. Eh ben voilà! On a finito. Attends, on a finito. Non, ça a ouvert cette. Ça a ouvert ça. Qui c'est qui crie là? Lux est dead? Non, c'est pas vrai. Luxia. Non. Le perso de Luxia est dead? Pour de vrai? Oh, c'est une catastrophe si c'est le cas. Enfin, c'est une catastrophe, il aura le temps de le remonter, mais c'est... C'est cauchemar. Oui, il est mort. Niveau 57. Oh non, c'est un cauchemar. Go again, hein. Par contre. Oh! Niveau 57, il est mort sur quoi? Putain. Go again, hein. Non, c'est terminé. Ah, genre, il abandonne? Enfin, il abandonne. Genre, il est en mode, bah, c'est dead. What? Oh non. Le seum que ça doit être... Bah ouais, en fait, c'est un event américain sur Savoir Américain, sur WoW Classic Hardcore, où le but, c'était... tout le monde démarre le même jour. Voilà. Et rendez-vous entre le 28 et le 30 octobre. Ouf. Et il y aura des combats à mort. Et la personne qui gagne la finale des combats à mort gagne 50 000 $. Et après, je crois que les 50 000 étaient divisés entre le top 8 ou top 9, un truc comme ça. Non, c'est mort, je pense. 18, il est passé 57 et il reste que 12 jours. En vrai, ah ouais, c'est mort? Je crois pas. Hein. Je sais pas. Oh, ça fait chier. Et donc bah forcément, Lux, il participe à ça, parce que bah, il est quand même très chaud et tout. Et apparemment, il vient de mourir niveau 57. À savoir que Lux est jamais trop mort hein, en hardcore. C'est la première fois qu'il meurt en hardcore, en fait. Hors FFS aussi, parce que FFS, petite dingue, mais sinon... Oh, c'est dur. Oui, bon, la racine. Eh ben voilà. C'est parfait, bon bah au moins on aura vraiment fait le labyrinthe. Voilà. Tu dirais que t'es à combien de pourcents du jeu de compléter? C'est très difficile à dire en vrai. Je peux pas trop deviner parce que bah, du coup je sais pas ce qui m'attend vraiment. Mais je pense, sans trop se mouiller, entre 25 et 40%. 45 tu penses? Ouais. 45? Non, peut-être en vrai, je sais pas. Entre 3 et 4% l'angoisse. Tu vises quoi comme 100%? Ah bah le 100% à 100% quoi. Hein. Le 100% 100% quoi. Mais après si tu veux dire 100% map ou 100% ailleurs, déjà 100% map. Bon écoutez, finalement ça aurait été plus long d'atteindre le labyrinthe. Notamment en réveillant une fée et en faisant un arbre lumineux pour un machin qui voulait voir Bye super contente et tout. C'était plus long que le labyrinthe en lui-même, voilà. Classique. Étonnant. Let's go.
Bon bah voilà, je save ici. Et comme ça, prochaine fois, on attaque directement avec un petit bout de popote. Et voilà quoi. Par la prue à pompon. Pourquoi pas en début de session prochaine. En vrai. J'ai l'impression d'avoir Slowrun à mort. J'ai mis 250 heures à tout faire sauf les noix. T'es vraiment solide en Slowrun. Oh bah attends, j'y suis pas aux 250 heures. Moi j'ai 180 heures de jeu là. Donc en vrai, j'y suis pas du tout. Hein. J'y suis vraiment pas. Hein. Session planeur. Session planeur. Bon bah c'était très stylé. La dame au moineau, tu l'as abandonnée. Je l'ai pas abandonnée.